je sprintais comme un forcené vers la ruelle, synonyme de sécurité. Un quadruple meurtre et une série de braquages. L'univers du lieutenant Bussy est fait de violence. Ville Rose Sang est le premier polar de Stéphane Furlan, avec pour décor Toulouse, un été en pleine canicule. C'est la ville rose, donc ces immeubles magnifiques. C'est des quartiers que j'aime bien, où j'ai vécu, le quartier des Carmes, Esquirol, Saint-Sernin, là où on est, la fac, puisque j'étais en fac de droit. C'est tout un pan de ma vie, et comme un roman doit s'incarner, ça me semblait logique de l'incarner là. Je levais mon revolver vers eux. Une déflagration assourdissante ponctua mon intervention. Une claque magistrale dans le dos me projeta en avant. Passage clé pour l'intrigue. L'officier de police va frôler la mort, 40 jours de coma comme pour mieux renaître et reprendre sa quête de la vérité. Victor Bussy, mon enquêteur, avait à peu près le même âge que moi à l'époque quand j'ai écrit le bouquin, avec les mêmes préoccupations que moi. Au départ, c'est un peu mon double, effectivement. Sur certaines réactions, je pense que je me suis projeté un peu dans lui. Mais au fil de l'histoire, il prend chair et il se détache de moi. Et j'ai beaucoup d'affection pour lui. Avec Ville Rose Sang, le fonctionnaire du Conseil général tentera de décrocher le prix de l'embouchure. Mais pour Victor Bussy, l'aventure ne fait que commencer. Un nouvel opus est en préparation.